Ariel Henry installé comme ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Quant à elle, Emily Prophète, l'y installé comme ministre de la Justice et de la Sécurité publique. La justice élève une nation. Ou quoi parole ça pour nous? Ou quoi nous qu'a parlé de Adaï ça? La justice élève une nation. Il y a quoi c'est pourtant de Emily Prophète pas même qu'a dirigé le ministère de la Culture. Mais nous pensons li ka dirige le ministère de la Justice. Nan emisyon sa mbral fò tande diskou Emily Prophète. Mbral fò tande diskou Ariel Henry également comme ministre de l'Intérieur. À ne pas oublier, il occupait déjà ce poste. OK. Monsieur, pendant il y a des années de cela, monsieur était ministre de l'Intérieur déjà. Pour quel résultat? Zéro. Ariel comme premier ministre haïtien, c'est une premier ministre qui pi nul nous passer dans toute histoire nous. Il est encore à ce poste en date. Pour quel résultat? Zéro. Et maintenant, il se permet de s'installer comme ministre de l'Intérieur en plus d'être premier ministre. Est-ce que c'est mon pays a pas gagné? Excusez, m'en vie mande ça et m'en vie comprendre. Est-ce que c'est mon Haïti pas gagné? Et moi, il faut entendre discours Berto Dorsey. Kap di, li rempli tâche li avec minutie. Li rempli tâche li avec brio, avec succès. Il a fait le travail qu'il devrait faire. Et c'est là pour le comprendre. Le nèg yo monté au pouvoir faut t'amander. C'est qui ça yo ba yo comme feuille de route? Parce que si Berto Dorsey ka bat l'estomac li pour le dire li fait travail li te doit faire. Il a fait œuvre qui vaille. Là ou doit mander tête ou. Le yo installé un moun non poste en Haïti. Qui ça yo ba li comme mission? Qui ça yo ba li comme feuille de route? Parce que pas oublier. On nèg yo révoqué pour incompétence, koun ya nan diskou sortant la bat bravo dil te fait travail li correctement. Alors que yo révoqué pour incompétent. Yo révoqué ou pour mauvaise affaire. Yo coupé visa ou parce qu'on nan affaire bagay crochu ou nan bagay louche. Mais ou bat l'estomac ou pour di ou travail bien. Ou fait gros travail. Ah, en tout cas, qui vivra verra, qui mourra, ou qu'on reste là. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis content ensemble avec vous. C'est avec un pile plaisir m'entrer la caillou, nous pourrons porter baou. Actualité à Jean la passé, nous pourrons porter toute information au baou là. Ou même qui a peine rejoint nous, c'est bien. Chanel là, c'est Haïti Réflexion. Je vous invite au Kounia là même. Donc, activez cloche notification, ça veut dire. Ou abonner pour qu'a toujours été connecté pour pas rater aucune vidéo nous et puis pas oublier partager like et commenter pour qu'a toujours rester connecté pas déplacer non rester là nous va porter discours monsieur dame ça pour et yo qu'a faire causer ici nous va porter discours pour rester là mesdames messieurs n'a retourner dans un badge le pouvoir en Haïti li bay avec moun ki pi prêt pour faire tout ça pas bon yo moun ki engagé en Haïti pour yo mener toute action déshonnête déloyale c'est moun sa yo ki gen promotion en Haïti c'est eux même qui occupé plus gros poste yo l'homme dit on t'a parlé de remaniement ministériel possibilité de remaniement ministériel je me suis dit ah bon dans remaniement ça peut-être nous pral jwenn quatre nouvelles têtes et dans nouvelle tête ça yo ça qu'arrivé ou jwenn yon bonne tête mais Ariel changer deux ministres il changer ministre Berto Dorsey ministre de la justice il changer Liz Kittel qui c'est ministre de l'intérieur et des collectivités territoriales maintenant Ariel changer Liz Kittel parce que Liz Kittel li gen non cité dans affaire kidnapping jusqu'à présent
pas aucune lumière qui fait. Yo révoqué Lise Kitel, Ariel révoqué Lise Kitel, Ariel remplacé Lise Kitel. T'as bien compris, comprendre démarche là. Lise Kitel yo retiré parce que yo dit il c'est kidnappeur. Ariel Henry actuellement là gè suspicion l'en mort président Soudol. Et comme moun tout qui participait non craser pays a mettre pays a dans condition difficile lié là on a même Ariel ça c'est lui même qui remplacer un nèg qui pas compte sou comprendre de cheminement non c'est incompétent qui a remplacé incompétent c'est corrompu qui a remplacé corrompu assassin qui a remplacé assassin. Et c'est ça la réalité, la jungle politique en Haïti. La réalité de la jungle politique, voilà. Et puis Berthodor, c'est lui. Il a révoqué, il a remplacé par Emily Prophète. Emily Prophète, c'est un poète et écrivaine, c'est moun qui. Bon, je dirais, il y a un monde qui te kabaye la culture dans le pays. J'arrête, mais depuis l'elle monte à un sérieux, il va régler. Mais yo wel capable bay résultat comme ministre de la justice et de la sécurité publique. Il t'a gagné un poste nan, mais li pa ka gérer kounya vinn gen deux. Là je me remet ti pays a. Et m'a toujours dit j'aime mon pays, n'écrasé. M'a toujours dit j'aime mon pays parce que d'ailleurs gon jeu administrer pays a son bagay waouh. Et même faut attendre discours monsieur Damien. Discours installation yo, Emily Prophète qui a voué fleur pour Berthodor, et Berthodor il a l'audace. Monsieur qui a l'audace pour la traiter encore, pour la présenter un bilan positif de travail li dans tête ministère de la justice et de la sécurité publique. Il a le culot. Monsieur pas honte pour la montrer moun, pour la dire moun. Li te fait œuvre qui vaille. Li te fait travail que te doit faire et c'est ça qu'il faut m'dou faut ou mandé leur mettre nèg ça au pouvoir c'est qui mission yo ba yo même en suivant ensemble comment cérémonie yo t'a déroulé. C'est avec une légitime fierté que je prends la parole en ce jour historique marquant primo la fin de mon passage au sein de ce ministère et secondo l'intronisation de ma collègue Emily Prophète Milsé, première femme à accéder à cette prestigieuse fonction de ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Le règne du gouvernement de Son Excellence Monsieur Ariel Henry est caractérisé par de grandes distinctions. Nous avons la première femme bâtonnière, nous avons également la première femme ministre de la Justice et de la Sécurité publique. En ma qualité de ministre sortant, je tiens à remercier le Premier ministre Ariel Henry, ainsi que son chef de cabinet et les membres de son gouvernement dont je faisais partie pour la collaboration fructueuse, sincère et franche qu'ils m'ont offerte durant les longs mois au cours desquels j'ai occupé cette fonction. En jetant son dévolu sur ma personne pour mener la politique du gouvernement en matière de justice et de sécurité, j'ai objectivement pesé la lourde responsabilité qui m'attendait. J'ai rempli mon devoir de servir avec honneur. Selon moi-même. Tenez bien, mes amis. Monsieur rempli de voile avec honneur. 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 Honneur qu'on est. Hein? Honneur, dignité qu'on est. Hein? Monsieur dit qu'il rempli de voile avec honneur. Et yon est, faut demander monsieur pour qui ça yon révoque. Si vous rempli ta choix avec honneur, et puis yon révoque yon ça bêtement. Hein, dis-moi non. Ambassade américaine refuse bon visa, yon coupe visa ou te gename ou, yon revoke visa ou, yon retire ou nan poste, parce que yon estime, yon ge preuve yon di, ou gen doit long ou gen tout nan manche, koun yon palem de honneur. Allah traka papa. Monsieur dame, ok, pardon, bon,
fin tande discours monsieur le ministre sortant. Mais sauf que gen bagay m pa ka vale pour monsieur. J'ai accepté ce poste que je croyais et persiste encore à croire aujourd'hui que mon pays mérite le sacrifice des hommes et des femmes qui se donnent corps et âme dans la dynamique de changer, transformer et inspirer. Madame la ministre entrante, le chantier est complexe et épineux et les ouvriers sont peu nombreux. Cependant, je ne doute une seule seconde de votre culture de femme d'État à mobiliser vos moyens afin d'offrir à notre mère patrie les services d'une des plus dignes de ses filles. Le renforcement des parquets, la lutte contre la détention préventive prolongée, les conditions de vie difficiles de nos différents centres carcéraux, ajoutés au spectre d'insécurité qui guette nos citoyens, constituent entre autres les principaux défis qui vous attendent. La franche et bonne collaboration entre les ministères de la Justice et de la Sécurité publique et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire doit se maintenir et se renforcer. J'ai personnellement enclenché certains processus de réforme dans les domaines subventionnés pendant mon passage comme ministre, mais d'autres chantiers restent encore à battre. Je crois fermement que le besoin de changement dans le système judiciaire inspirera vos actions. S'il est dit que la justice élève une nation, nous avons le devoir de nous atteler en tant que citoyennes et citoyens responsables à travailler pour le renforcement de nos institutions, ce pour le bonheur de nos compatriotes. Je m'en voudrais de terminer mon allocution sans remercier du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui m'ont épaulé dans la lourde tâche qui m'avait été confiée, surtout les petits employés du ministère. Merci infiniment. Merci encore. Il me serait pénible d'énumérer tout le monde, mais que chacun trouve ici l'expression de ma reconnaissance. Merci à vous tous. Merci aux membres du gouvernement. Merci au Premier ministre. Cher Emily, bonne chance et bon travail. Ça, c'est ministre justice sortant, bon, qui finit mettre causé à terre. Moi, envie de dire qu'il finit blablabla, mais ok. Un peu de clémence, c'est ce pas de problème. Quand on voit la photo de Ariel Henry, le ministre de l'Intérieur, Gémon Cap dit, comment ministre intérieur, oui? Ariel Henry, en plus d'être premier ministre, il est ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Quand on va comprendre là, et bien, bon, faut attendre dans la cérémonie installation. À la canage plume, c'est Ariel. C'est avec beaucoup d'émotion que je reviens dans ce ministère. J'ai gardé des amis, j'ai gardé aussi beaucoup de souvenirs. Après-midi, pour me dire, le ministre Lise Kittel, merci. Merci pour avoir servi son pays pendant 16 mois. Nous faisons un pile bail ensemble. Et je pense qu'on va toujours continuer à aider le pays. Moi, j'ai accepté pour un petit temps très court pour le ministre de l'Intérieur. Nous voulons redynamiser le ministère. Et nous comptons sur chaque monde qui travaille ici, sous éthique, sous puissance de travail, pour que nous capables un pays qui est plus sûr, où nous capables bailler un pays des fonctionnaires qui au service de la population et à l'amélioration de cette population. Moi, je voulais dire tout que moi choisi un petit peu à la va-vite et
m'excusez-moi. Je choisis comme chef de cabinet, moi, ici de là, yon moun qui ont grande expérience de ministère ça. Il était directeur général ministère intérieur et collectivité territoriale. Il était assistant directeur de cabinet, moi, l'MT ministre. Et c'est lui qui a pu plus souvent que moi. N'empêche que préoccupation nous a prêté pas moins et que accessibilité moins gagné et tout le monde qui a travaillé dans le ministère de l'Intérieur que nous aime toujours accessible n'a pas fait lié à travers M. Paul Harry Voltaire que je choisis comme chef de cabinet. Je vais faire un long discours. On remet nos travail. On fait que paysan ouais que n'a travail pour lui et on avance pour nous bailler service à tout le monde quel que soit origine sociale yo mais quel que soit aussi origine politique yo et surtout on fait aux gens pour que transition ça faite rapidement dans l'ordre et que nous allons dans élection en élection côté peuple qui a choisi librement dirigeant yo. On fait pays à ouen ap travail. C'est pas un travail, non? Non, c'est deux bagages différents, c'est deux contextes différents. On nous travaille et on fait pays à ouen ap travail. Ouais, c'est deux bagages différents, dit là. On fait pays à ouen ap travail pour yo. Ça veut dire, on bluffe yo. On vient avec faux discours, on vient avec faux programme, on vient avec faux conseil de fausse intervention. Vous comprenez? Montrer n'ap travail. On fait yo ouen ap travail pour yo. Même tout ça déjà sans agenda. Comme un ministre de l'Intérieur, même si c'est AI, mais pays d'Haïti, ouais, presque tout le monde c'est AI. Mais comme un ministre de l'Intérieur, au moins, un poste aussi prestigieux, Ariel peut-être te kavini, je ne sais pas, un petit programme ou bien expliqué, mais ça le gagne en tête. Aye. Et d'ailleurs, tout dit, moun li choisi comme chef cabinet, li. Paul Harry Voltaire. Li dit c'est monsieur qui prend le paraître. Donc c'est comme si c'est monsieur qui ministre de l'Intérieur. Ou ap gen tan konnen. Kou nya bon faut tande m li prophète. Faut tande tout. OK. Faut tande tout. M li prophète qui t'a installé dans fonction li, dans poste li, qu'a remercier tra. Ouf, tande m li prophète non. Tande. Je tiens particulièrement et avec empressement à remercier le Premier ministre Ariel Henry qui a porté son choix sur moi afin d'assurer cet intérim dans l'objectif de continuer, selon ses souhaits, à édifier la crédibilité des pouvoirs publics, particulièrement la justice, dans sa lutte contre l'insécurité, la criminalité et l'impunité. Je remercie chaleureusement Maître Dorsey pour le travail abattu pendant plus d'une année à la tête du ministère. Et je lui souhaite une bonne continuation et du succès dans ses futurs projets personnels et professionnels. Mesdames, Messieurs, la feuille de route qui m'a été confiée par le Premier ministre énonce et précise les principes directeurs pour rétablir la confiance des justiciables et des acteurs du système en la justice. Aussi, il conviendra d'activer les mécanismes pour concevoir, développer et mettre en œuvre un ensemble d'actions cohérentes capables de garantir la sécurité des vies et des biens, ainsi que la distribution d'une justice équitable et qui prend le pari de respecter et de faire respecter les droits des justiciables. Il est évident que je crois en la justice et en ses bienfaits. Mes nouvelles charges m'obligent à m'investir, sans compter mon temps, dans la protection de toutes les conquêtes civiques et sociales qui sont la base de la gouvernance d'un véritable état de droit. Et puis, boum, mais Haïti, et c'est là où vous toujours poser cette question, avec qui, à qui sentiment choix ça au fait? Le ap choisi moun pou vin propose en Haïti, sous qui base, sous qui critère? Écoutez, qui sa yo mette en valeur? Qui ensemble d'exigences qui gagne pour choisir au moun? Je me suis dit peut-être aucune exigence. Mande est-ce que pays a se moun li pa gagne? Ça ka toujours rive pa gagne moun.
Mesdames, Messieurs, la situation est on ne peut plus compliquée en Haïti parce que le ou gon gouvernement, ou gon seye de moun, homme d'État, homme et femme d'État, qui pa mesure dimension crise qui gen la. Ou tout ça gen la en République Dominicaine. Kote, sa otan de Haïtien ap subi la. Ou pa jem tande, yon dirigeant Haïtien pipe mo. Yo youn pa pipe mo, d'ailleurs sa pa gade yo. Yo pa pro. D'ailleurs, situation pa même rive sou yo. Ils n'ont pipe mo. Situation pas regardé yo, ça pas regardé yo. On joue fok li joue. Après Eric J. Baptiste, nous songe funérailles était chanté dans l'église Saint-Pierre lundi 14 novembre 2022. Eh ben c'était tout pas Michael Benjamin, nous songe funéralité dans un premier temps fait de façon privée. Après ça, yo t'a célébré la vie Mika Ben 6 novembre. Et puis, mesdames, messieurs, Jean-François Mian t'a annoncé li mardi 15 novembre 2022. Yo t'a chanté funérailles Mika Ben qui t'est présent. Lundi qui t'est présent, ça veut dire, et dit pas ou bien boîte qui gen poudre Mika Ben nan, li t'est là. Yo t'est présent ensemble avec lui dans l'église Saint-Pierre. Nous invitons à suivre un peu dans cérémonie ou bien yon ti kal dans sa k'tap passé. Dans l'église Saint-Pierre, mardi 15 novembre 2022. Oh,
voilà, dans tout ça qui fait pour Mikayo, c'est la première fois en Haïti. Donc, en pile monde qui a vécu en Haïti, tu as une possibilité pour te rendre un dernier hommage à Mikael Benjamin. Mika Ben, en pile monde remet, c'est un artiste qui était très apprécié dans le monde musical haïtien. Donc, monsieur, nous tous nous connaissons déjà, il est parti pour l'Orient éternel. Monsieur, il est mort le 15 octobre dernier. Donc, il y a un mois depuis, il est parti, il fait le grand voyage. Donc, Mikael Benjamin, Mika Ben, monsieur, il est devant nous. Et ça fait nous souhaiter un bon traversé à Mika Ben. Et nous espérer, famille, il va consoler. Nous espérer, famille, il a besoin assez de force pour surmonter l'obstacle. C'est parce que ce n'est pas quelque chose qui est facile. Mika n'avait que 41 années. Donc, à 41 ans, c'est un, ou t'es même envie de dire c'est un gamin. Il était très jeune. Et l'op gade papa Mika Ben qui c'est Lionel Benjamin. Donc l'op gade Lionel qui va enterrer Mika ou Mika enterrer Mika. Écoutez, c'est difficile. Ok. Mais quand même, nous connaissons Lionel a besoin assez de lumière. Et l'op gade, a regardé le visage de Lionel. Ou senti Lionel plus abattu que Elisabeth qui c'est maman Mika. Ou pas ouais ça? Et dans toute activité, ou pour maman Mika, puis j'aime pas c'est Lionel. Bon, peut-être Lionel te puis attaché parce que à ne pas oublier Lionel c'est un artiste. Mika c'est une autre icône, ça dit c'est Mika qui t'a suivi trace li. Puis grand frère qui c'est Lionel Benjamin Junior, tout le monde connaît sous nom de Lion. Monsieur il pas suivre trace papal. L'homme dit il pas suivre trace papal, c'est-à-dire il pas un musicien, il pas un chanteur, il pas pratiquer la musique seulement li quoi monsieur son manager, ses promoteurs etc. Mais Mika c'est lui-même qui t'a suivi trace papal. Tristesse Lionel là peut-être qu'a traduit un paquet de bagaille. Lionel Kawé, li pa gen moun après, li pa gen moun ka prend place. Parce que Mika t'a marché vraiment sur les traces de son père. Ah bien, mais bien sûr. Mika t'a marché réellement sur les traces de son père. Parce que Mika, même j'avec papal, c'était une icône. Et Mika a quitté dans répertoire nous. Mika a quitté un paquet de bagaille comme héritage pour peuple haïtien et pour monde musical là. Donc encore une fois, bon traversé à Mika et nous souhaiter lumière, lumière pour Lionel, lumière pour la famille Benjamin qui a traversé un moment aussi difficile parce que l'on perdu un être qui très cher pour vous. Donc c'est un bagaille qui est extrêmement difficile. N'a pas campé là, mesdames messieurs, me content ensemble avec vous, me content présenter émission ça, me content partager ensemble avec vous. Mon sur la parole. Nous tous nous connaissons la parole est faite chère et chaque fois nous avons une possibilité pour nous recevoir. Exactement, nous toujours dit l'offre nous recevoir comme ça, pas qu'il y pour qu'on tout partager. Faites plus de monde également parce que si nous jouons dans là, si vous avez pour qu'on tout, il n'y a pas aucune importance. Parce que moi, pas qu'il y ait pour partager là avec vous, et même fait même genre. Lors recevoir vidéo, partager, faire plus moun gen possibilité pour rester connecté puis pas oublier mesdames messieurs ou même si c'est première fois que chose tomber sous nous ou t'as suivi émission ensemble avec nous pour la première fois, moi invite au kounya la même, activer cloche notification qui donc abonner pour qu'a toujours rester connecté et pas oublier partager, liker, commenter pour qu'a toujours rester connecté avec tout ça qui a passé. Rester connecté ensemble avec nous mesdames messieurs, n'a croiser un peu plus tard pour une autre vidéo.